Récemment, j'ai vu passer ce tweet du vidéaste anglais Jim Sterling, montrant un échange que ce dernier avait eu avec une personne dans l'un des espaces commentaires de sa chaîne. Le commentaire en question demandait à Sterling si celui-ci pouvait arrêter d'être ronchon et blasé dans la plupart de ses vidéos. Ce à quoi Sterling répondit qu'il lui arrivait de l'être, sur plusieurs même, comme avec celle sur The Missing, toi-même tu sais, mais que la plupart des gens ne les regardaient pas, ironisant à moitié en disant que ces derniers étaient trop occupés à lui reprocher de toujours râler. Bien que je m'identifie pas mal à ce genre d'aberrante constatation, c'est surtout ma réaction devant ce tweet qui me semble utile pour introduire ma vidéo. Réaction qui a été de me dire « Mais les gens, comment voulez-vous que le mec saute systématiquement au plafond quand on se ramasse des microtransactions de partout, des caisses et des caisses de titres fades qui se ressemblent tous, des early access sans modération, moult pratiques commerciales toujours plus immondes, Fallout 76, et j'en passe ?» Et il se trouve que cette réaction précise a plus ou moins fait écho à une réflexion que je me faisais dernièrement, où je constatais, un peu embêté, avoir beaucoup parlé d'open world ces derniers mois. Moi-même, je trouve ça un poil relou parce que, j'aimerais bien changer de disque par moment. Le hic, c'est que c'est en fait une conséquence tout ce qu'il y a de plus logique. Une réponse au fait que l'industrie du jeu vidéo elle-même se focalise énormément dessus ces dernières années. Quand tu es une personne qui parle du médium jeu vidéo sur l'internet, il semble évident que l'actualité du dit médium puisse avoir une certaine influence sur le potentiel contenu à venir de ta chaîne, sur le contenu et sur la personne en elle-même, d'où la présence du tweet de Sterling dans cette intro. Si le mec est énervé, c'est peut-être parce qu'il voit un truc qu'il affectionne tout particulièrement, vous savez ce truc-là, le jeu vidéo, se faire bien salement savater la tronche de tous les côtés, tous les jours. Et pas juste parce qu'il adore cracher sa bile sur tout et n'importe quoi, s'il vous plaît quoi. Pourtant, vous avez bien vu le titre, il sera encore bien question d'open world dans cette vidéo. D'open world et de Yakuza, je sais. Mais c'est parce que je tenais réellement à vous partager cette réflexion que j'ai récemment eue à propos de la série. Puisqu'à mesure que les open worlds se suivent et se ressemblent, j'ai fini par réaliser qu'en fait, Yakuza est un représentant plutôt unique de ce non-genre vidéoludique qu'est l'open world. Mouep. Et vous noterez que ce n'est pas un titre de vidéo avec un point d'interrogation à la con comme on en voit bien trop souvent. Non, non, là c'est seulement le point de départ de la vidéo. L'accroche qui va me servir à exposer ce qui m'a amené à affirmer cela. Pour les quelques personnes qui ne sauraient pas encore bien de quoi il en retourne, sachez que Yakuza est une série de jeux vidéo prenant la forme d'un mélange de beat'em up et de RPG urbain à la sauce open world. Une série racontant, en grande partie, la vie de Kazuma Kiryu, un mafieux japonais au grand cœur, à qui il arrive tout un tas de péripéties à mesure que les épisodes s'enchaînent dans cette licence oscillant avec brio entre le mélodrame et l'autodérision, le tout savamment baigné dans une culture nippone omniprésente et délectable. Les complots à tiroirs côtoient les petites intrigues pas prises de tête, la violence et l'honneur du monde des Yakuza flirtent avec les courses de petites voitures et autres karaokés. Comme vous pouvez le constater, Yakuza est assez singulier, unique même, et le mot est important. Porté par Toshihiro Nagoshi et son Ryuga Gotoku Studio depuis 2005, la licence Yakuza n'est pas ce que l'on pourrait appeler une super production. Alors loin de moi l'idée de faire passer la série pour un truc complètement fauché et réalisé dans un garage par deux personnes, il est évident que ce n'est pas le cas. Sans compter qu'il est toujours assez complexe de parler argent dans l'industrie du jeu vidéo vu qu'il est assez rare qu'un éditeur communique précisément les coûts de production d'un jeu ou les chiffres de vente qui vont avec. Le fait est que si un océan sépare les jeux à 10 000 dollars des jeux à 260 millions de dollars, Yakuza ne fait que naviguer quelque part entre ces deux extrêmes, même si, avouons-le, il y a tout de même plus de chances que ce soit du côté du moyen grand que du petit bas. Et il n'empêche que la série est loin d'égaler les plus gros poids lourds du marché en termes de moyens humains ou financiers. Des contraintes obligeant souvent l'équipe de Nagoshi à dépenser avec parcimonie et donc, comme je l'avais déjà énoncé dans ma critique de Yakuza 5, à quelque peu ruser et bricoler. Pas toujours de façon incontestablement réussie, parfois à l'aide de procédés assez voyants, limite même choquants en de rares occasions, mais le plus souvent d'une manière tout ce qu'il y a de plus légitime et sincère. Un handicap financier qui, s'il apporte bien évidemment son lot de reproches à faire, amène surtout une sorte de fabuleux hasard qui va s'avérer extrêmement bénéfique pour la série. Plus que cela, ce hasard va même jusqu'à remettre en question des fondements, déjà bien vacillants, de tout un non-genre pourtant à la mode, et aboutir à l'affirmation au centre de cette vidéo, Yakuza est un monde ouvert unique qui rivalise aisément, si ce n'est plus, avec la plupart des ténors emblématiques. Et par Yakuza, il faut bien sûr comprendre la série prise dans son ensemble. Comme on l'a vu juste avant, Yakuza est de nature assez atypique, dans son ton ou dans ses mécaniques. Mais si Yakuza est bien unique en tant que tel, il l'est également à l'échelle du jeu vidéo tout entier.
parce que l'industrie du jeu vidéo suit un mouvement de constante expansion. Les jeux se doivent d'être toujours plus beaux, toujours plus longs et toujours plus chers que leurs voisins. Et les open worlds se doivent en plus d'être toujours plus grands que la concurrence. À côté de cette course à la dilatation forcée, Yakuza fait un peu figure d'exception larguée qui suit son bonhomme de chemin sans trop se soucier du reste. Et pas seulement parce qu'il arbore des mécaniques typées arcade, à une époque où l'on cherche toujours plus d'immersion par le biais du réalisme, mais aussi, voire surtout, parce qu'il choisit de faire tout cela dans un cadre bien spécifique, à savoir la zone de Kamurocho. Et Kamurocho, à l'image de la série qui l'accompagne, est tout aussi unique. Unique par sa taille, déjà. Puisque Kamurocho n'est pas un pays ou une ville, c'est un simple quartier tokyoïte composé de quelques rues et bâtiments. On est donc bien loin des concours de kilomètres carrés qui se jouent à chaque nouvel opus de GTA, de Just Cause ou d'Elder Scrolls. Mais Kamurocho est aussi et surtout unique par sa récurrence dans la série. En effet, chaque opus principal de Yakuza se passe forcément, à un moment ou à un autre, dans Kamurocho. Ce qui signifie que ce pastiche vidéoludique du véritable quartier Shokabukicho se répète d'un jeu à l'autre, avec certes quelques lieux annexes à visiter à côté, comme un quartier d'Osaka dans Yakuza 2 et 5, ou une bourgade d'Hiroshima dans Yakuza 6. Le fait est que le point de chute est systématiquement Kamurocho. Et ça, c'est plutôt peu commun pour le jeu vidéo open world. Mis à part peut-être pour des cas comme les jeux Spider-Man, vu que c'est un héros new-yorkais où donc forcément chaque open world Spider-Man utilise entre guillemets la même map de la vraie ville de New York, il est plus que rare de voir une licence réutiliser la même zone encore et encore. Au contraire, on préfère justement changer la destination pour tenter de masquer le fait que les jeux se ressemblent entre eux. Mais pas Yakuza. Lui choisit de faire en quelque sorte de son quartier un personnage à part entière dans la série. Le genre de déclaration que l'on retrouve habituellement pour Silent Hill. Sauf que là, on n'est pas du tout dans le symbolisme éthéré, mais bien dans le terre-à-terre tout ce qu'il y a de plus concret. C'est littéralement le même quartier. Un choix en apparence casse-gueule qui est en vérité on ne peut plus pratique point de vue développeur, puisqu'il s'accorde à la base avec les finances toutes relatives du studio de Toshihiro Nagoshi. Le résultat de cette singularité participe au côté atypique de Yakuza. Avec elle, la série semble encore un peu plus aller à contresens de tout ce que le jeu vidéo moderne réclame, ou pense réclamer. Ce faisant, un œil extérieur est en droit de se dire que le sort de la licence est scellé, puisqu'elle ne respecte pas les tendances et autres attentes traditionnelles des joueurs d'aujourd'hui. Les grands espaces, la technique clinquante et peaufinée à l'extrême, le multijoueur, la débauche affichée d'argent, l'exotisme d'un changement de lieu afin de se renouveler. Pourtant, c'est précisément ce dernier point qui fait que Kamurocho est un petit open world qui triomphe des grands. Parce que, quel est le plus fondamental objectif d'un monde ouvert, et je précise bien d'un monde ouvert ? Dépeindre un univers qui semble cohérent et vivant tout en nous donnant l'impression d'en faire partie. Eh bien, en faisant de Kamurocho une sorte de point fixe dans la série, le Ryuga Gotoku Studio a ancré son univers dans un véritable récit fleuve lui permettant d'accomplir, à sa manière assez non conventionnelle, ce fameux objectif. Un récit où les années passent, mais Kamurocho reste. Rendez-vous compte qu'en allant de Yakuza 0 à Yakuza 6, non seulement on suit presque 30 ans de la vie de Kazuma, ce qui est déjà assez peu courant dans les jeux vidéo, mais on suit également 30 ans d'évolution du quartier servant de décor au jeu. Car oui, le quartier de Kamurocho change, de façon presque imperceptible certes, mais il change. Des rues, des boutiques, des bâtiments qui apparaissent ou disparaissent au rythme des époques ou des scénarios. Un parc qui passe de refuge pour sans-abri durant les années 80-90 à chantier en construction début 2000. L'emblématique gratte-ciel de la Millennium Tower qui fait son apparition. Sans oublier de mentionner tous ces lieux qui, eux, ne changent pas. Les Sega Center et autres supérettes dont seuls les logos s'adaptent à leur époque. Et je ne parle même pas de l'immense galerie de personnages rencontrés. Des amis, des ennemis, parfois un peu des deux. Ceux qui sont restés, ceux qui sont partis. Bref, c'est une véritable évolution logique et naturelle qui se met en place au fil des jeux. Un microcosme étalé sur plusieurs années et tout autant de titres. Le résultat de ce que l'on pourrait, au premier abord, qualifier de paresse, est en fait un profond sentiment de vie. Kamurocho vit. Même si c'est d'une façon bien à lui, même si ses PNJ comptent beaucoup de clones au script peu détaillé, même si à regarder ce n'est pas aussi clinquant que le dernier blockbuster en date, Kamurocho vit. Et nous, joueurs, avons véritablement le sentiment d'en faire partie, particulièrement par l'intermédiaire de Kazuma Kiryu. Quand bien même il est un personnage extraordinaire à qui il arrive constamment des trucs improbables durant les intrigues principales, Kazuma Kiryu n'est au fond qu'un humain parmi d'autres humains grouillant sous les néons de Kamurocho. Tous les aspects annexes d'un jeu Yakuza vont d'ailleurs dans ce sens, rendre à Kazuma son côté humain, limite banal. Du gars qui apprécie un bon whisky avant d'aller péter un score à Outrun. Et c'est bien pour cette raison qu'on ne peut faire du mal aux piétons dans les Yakuza, parce que ce n'est pas dans le caractère du personnage, ni dans celui de son créateur, Toshihiro Nagoshi. Yakuza, ce n'est pas un bac à sable ou un GTA-like, mais bien un monde ouvert vu par le prisme d'un simple quartier.
Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de jeux qui peuvent se vanter de réussir cela, et surtout de le réussir sur une durée aussi longue. La faute à cette course au toujours plus et ses préoccupations parfois discutables évoquées plus tôt. De la même façon, il y a très peu de jeux en monde ouvert qui peuvent se permettre de développer des personnages pendant autant de jeux, et où le joueur peut très bien se rendre à un endroit sans consulter le moindre plan. A nouveau, c'est le côté restreint et récurrent de Kamurocho qui permet cet élément on ne peut plus appréciable. À force d'arpenter les mêmes grands axes d'un jeu à l'autre, on finit forcément par acquérir un certain sens de l'orientation. Un peu à la manière d'un citadin qui apprend à connaître les rues et les restos de sa ville, le joueur se surprend à mémoriser et spatialiser des noms comme Pink Street, Theatre Avenue ou Champion District. Si bien que lorsqu'un PNJ de mission secondaire nous demande de nous rendre à Tenkaichi Street, certains joueurs savent s'y rendre sans avoir besoin de regarder la minimap présente dans le coin de l'écran. Là, pareil, il me semble que rares sont les licences à pouvoir prétendre en faire autant. C'est pour toutes ces raisons que j'ai été véritablement ravi de découvrir que le prochain jeu du studio, à savoir Project Judge, ou Judge Eyes dans son titre original, se passait lui aussi dans le mythique quartier de Kamurocho. Et j'ai découvert ça en jouant à la démo japonaise, parce que j'avais reconnu la rue où on commence. C'est complètement génial comme feeling. Ok, le jeu ressemble tout de même vachement à un spin-off de Yakuza, mais dans l'absolu, c'est pas un Yakuza. Ce qui signifie que l'on découvrira peut-être de nouveaux aspects de ce quartier si délicieusement anachronique. Un peu comme avait réussi à le faire Rockstar avec ses deux DLC pour GTA 4. D'autant que le terme spin-off dans ce cas précis ne me semble pas du tout péjoratif. Parce que Yakuza est une véritable série. Une série de jeux dont chaque opus pourrait être considéré comme une saison d'une série télé. Presque un jeu épisodique façon feu Telltale Games en fait. Donc qu'il y ait un spin-off avec le même cadre n'est pas si bête. Et puis s'il permet de prolonger davantage la vie artificielle de Kamurocho et d'en faire l'œil du cyclone d'un univers vidéoludique, je le trouve même plus que bienvenu. Le KGU, le Kamurocho Gaming Universe. La classe au Texas. Kamurocho et par extension Yakuza est bel et bien à part dans le monde du jeu vidéo moderne. Et voir une poignée de personnes me remercier de leur avoir fait découvrir la licence me fait me dire que je ne raconte pas tant de bêtises que cela. C'est une saga tragicomique qui enchaîne les sorties à une cadence parfois folle, mais qui parvient pourtant à évoluer à un rythme pépère tout en continuant à maintenir un certain niveau de qualité entre les titres. Et par-dessus tout, c'est une licence qui n'a pas honte d'être un jeu vidéo, quand bien même elle s'inspire du 7ème art, et qui s'assume jusqu'au bout. Tu sens que les personnes qui bossent dessus, s'ils n'ont pas des 1000 et des 100 dans leur porte-monnaie, se font avant tout plaisir à faire vivre et interagir tout ce petit monde. Ça se sent. Et voir la licence enfin commencer à percer hors de son pays d'origine a quelque chose d'hyper gratifiant. Exactement comme quand tu fais découvrir une œuvre à quelqu'un alors que toi t'as déjà quelques saisons ou livres d'avance. Il n'y a aucun jeu vidéo, ni aucune licence contemporaine, qui s'approche de ce que cet outsider qui ne paye pas de mine parvient pourtant à accomplir avec ses modestes moyens. On parle de dizaines et dizaines de personnages, d'intrigues, de relations et de situations qui évoluent et gravitent tous autour d'un même lieu qui traverse les époques. Époque aussi bien dans le jeu que dans notre monde à nous. C'est assez dingue. Je ne dis pas que tout est parfait, clairement ça ne l'est pas, mais juste que tout de même, waouh quoi, sérieux, et pourtant personne n'en parle de ça. Parfois on obtient de grands et surprenants résultats avec de simples et sensées décisions. Et parfois, il faut savoir remettre en question les conventions martelées par l'industrie, à l'instar de la durée de vie, la taille, le vide et j'en passe, afin de voir si on ne peut pas trouver un sens à tout ce qui ne rentre pas forcément dans le moule. Finalement, ne pas avoir 260 millions de dollars, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver à Toshihiro Nagoshi pour son Yakuza. Parce que cela lui a permis de bâtir le plus petit des grands mondes ouverts du jeu vidéo, en l'obligeant à se focaliser sur la création d'une expérience compacte qui ne dissout pas ses efforts dans un trop large espace physique ou ludique. Un constat d'autant plus précieux à notre époque où l'on valorise plus souvent la démesure au détriment de la cohésion. J'en profite pour vous inviter à voir ou revoir ma critique de Yakuza 5, ainsi que mon Red Barrel sur les open worlds, parce que je pense qu'à eux deux, ils complètent pas mal ce qui se dit ici. Maintenant, si ce n'est pas encore déjà fait, vous devriez réellement songer à vous essayer à la série, ne serait-ce qu'une seule fois. Parce qu'il y a assez peu de chances pour que vous le regrettiez. En revanche, attention, c'est super facile de tomber dedans. Vous voilà prévenu. Bon, je suis bien content d'avoir enfin bouclé cette vidéo, moi, depuis le temps que ça traînouille dans ma pile de sujets. Une bonne chose de fait. Le seul problème dans cette histoire, c'est que je sais pertinemment que ça ne clôt en rien le chapitre open world, parce qu'on n'a pas fini d'en bouffer, déjà. Mais aussi parce qu'il y en a un assez costaud qui attend son tour, là. Et il me fixe de ses yeux morts et rouges et... Redemption, ouais là! Hitman 2, avec sa jaquette trop moche!